à toutes et à tous les amis, c'est Kero, comment allez-vous? Eh ben moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur le jeu F1 2017 et c'est le 66e épisode il me semble. Donc oui, il nous reste 3 épisodes à tourner les amis, 3 grands prix à faire durant ce mode cette dernière saison du mode carrière. Donc ouais, je sais vous êtes triste, moi aussi ça va faire un petit pincement au cœur quand ça sera terminé, il y aura plus vos vidéos sur le mode carrière et tout. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin comme j'avais dit la dernière fois, c'est comme ça. Mais voilà, j'espère que vous serez toujours présent au rendez-vous pour voir ces 3 derniers grands prix, parce que la dernière fois, il y a 2 jours, j'avais remporté enfin le titre pilote. Yes! Et ça a été fait, les amis. Je suis encore vraiment, vraiment tout est moustillé, n'est-ce pas? Non, je suis vraiment heureux de ce titre pilote que j'ai remporté au Grand Prix des États-Unis la dernière fois. Donc, si vous l'avez pas vu, ce Grand Prix, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Voilà, vous aurez accès à la vidéo ainsi qu'à la playlist de ce mode carrière. Et j'avais remporté la course en partant dernier en plus, donc ça a rendu encore le titre encore plus beau, et c'était vraiment un grand prix incroyable, beaucoup de bagarres et tout. Donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous l'avez pas vu. Et j'avais terminé devant mon coéquipier Vettel, deuxième, et troisième il me semble que c'était Bottas, voilà. Donc ouais, c'était vraiment un grand prix incroyable, et voilà, remporter ces 2 titres au bout de cette troisième saison, c'est vraiment kiffant quoi. Donc voilà, la première saison c'était un petit peu les débuts, l'apprentissage chez As. La deuxième saison chez Force India, c'était la concrétisation, enfin concrétisation, il fallait que je fasse des bons résultats pour avoir en troisième saison une top team, et je l'ai fait avec Ferrari, voilà. Et voilà, le but de cette saison c'était de remporter les 2 titres, et je l'ai fait pareil. Donc j'espère que vous êtes contents, moi je suis vraiment vraiment heureux, voilà. Et du coup on est parti pour ce Grand Prix du Mexique, sur le circuit de Mexico, qui est un circuit que j'aime bien rouler dessus, voilà, avec l'arène et tout dans le dernier secteur, qui est vraiment incroyable. Quand vous rentrez dans cette arène, il y a le public qui vous regarde et tout, c'est vraiment vraiment kiffant. Donc c'est la deuxième fois que vous avez en plus le Grand Prix de Mexique aujourd'hui en ce lundi, parce que la première fois bah, c'était à midi, enfin si tout s'est bien passé, hein, s'il n'y a pas eu de déconnexion durant le Grand Prix du Mexique à l'AWER, voilà, le championnat online AWER que vous avez eu à midi. Si tout s'est bien passé, bah, vous aurez eu la vidéo à midi, parce que au moment où je tourne cet épisode, bien sûr, j'ai toujours pas tourné, enfin j'ai toujours pas roulé à l'AWER, voilà. Je vais y arriver, ça va pas être comme les dernières fois où un petit peu brouillon là, il faut que je m'applique un petit peu, et oui, parce qu'on arrive vers la fin du mode carrière, il faut que ça soit un petit peu plus précis dans mes paroles et tout, désolé, ouais, je suis comme ça. Donc voilà de ce côté-là. Sinon qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, donc la dernière fois je vous avais dit que j'allais monter l'IA à 110 et mettre la traction en intermédiaire, c'est fait. Donc voilà, les essais libres et ainsi que le programme d'entraînement, ça tout a été fait avec l'IA à 110 et la traction en intermédiaire. Ben, bizarrement, écoutez, j'ai pas eu tant de mal que ça. Enfin, au niveau du programme d'entraînement, tout a été réussi en parfait, à part le sprint que j'ai réussi en vert. Et il y avait aussi les secteurs rapides 2 et 3, je crois, ou 1 et 3, je sais plus, qui n'a pas été validé. Mais sinon, à peu près tout s'est bien passé, même pareil au niveau des essais libres. Essais libres 1 et 2, Vettel m'a devancé, mais les essais libres 3, j'ai réussi à le devancer. Bon, c'est de 2 dixièmes, hein, il me semble. J'avais fait le deuxième temps, lui le troisième temps, et je crois que c'est Hamilton qui a fait le meilleur temps, voilà, de ses essais libres 3, pardon. Et sinon au niveau météo, les qualifications devraient se passer sur le sec. Enfin, je sais plus si c'est les qualifications ou la course qui vont être couverts, mais il y a peut-être des risques de pluie, donc attention. Je sais plus si c'est les qualifications ou la course, j'ai complètement zappé, désolé. Mais voilà, normalement les qualifications et la course devraient se passer sur le sec, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que j'ai fait le tour. Donc ouais, au niveau des améliorations R&D, bah écoutez, rien à vous montrer, parce que là, en fin d'épisode dernier, j'avais pas d'amélioration à faire, pas de grosses améliorations sur la voiture, parce que voilà, maintenant je me concentre sur les grosses améliorations, c'est au niveau de l'aéro, du moteur, du châssis, tout ça. Donc on verra dès qu'on aura assez de points pour améliorer tout ça. Et du coup, on va passer tout de suite directement à l'allocation des gommes. Et ce sont les ultra tendres en violet, les super tendres en rouge et les tendres en jaune qui sont apportés pour ce Grand Prix du Mexique. Donc le Mexique, ça, il me semble, dans mes souvenirs, que ça consomme quand même les gommes. Donc sûrement 2 arrêts, sachant que la Q2, je pense la faire en ultra tendre, voilà, partir en ultra tendre, pas prendre de risque vu que l'IA est à 110, que je vais avoir beaucoup de mal à aller chercher le podium cette fois-ci. Donc voilà, je vais pas prendre de risque, je vais chausser les ultra tendres et partir en course pour les en ultra tendre, pardon.
Et sûrement faire deux arrêts, donc c'est-à-dire super tendre. Enfin, je sais pas s'il faut passer super tendre, ultra tendre ou mettre deux fois les super tendres, on verra. Après, un arrêt, c'est possible de mettre les tendres, mais les jaunes, mais je pense que je vais être à l'arrêt avec ces pneus-là, donc je vais pas prendre de risque. Je pense que je vais faire deux arrêts. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous feriez durant ce Grand Prix du Mexique. Mais moi, je pense que je vais faire ça. Au niveau de la boîte de vitesse, bah écoutez, pas de changement. Hein, c'est toujours la quatrième boîte de vitesse, elle est à 10%, donc tout est bon. Au niveau du bloc propulseur, pareil, pas de gros changements. Vous voyez, c'est toujours la cinquième, les cinquièmes éléments, parce que oui, la dernière fois, je les avais changés. C'est pour ça que je suis parti dernier durant la course des États-Unis. Voilà, donc pas de changement. Vous voyez, tout est à peu près neuf, hein, à part le système de stockage d'énergie, 45%, c'est la quatrième, donc il va pas tarder, falloir peut-être changer, on verra. L'appareil turbo compresseur, c'est la cinquième, et là, électronique de commande, 25%, donc ça devrait faire le taf jusqu'à la fin du championnat. Voilà. Sur ce, les amis, on va écouter la boîte vocale pour voir les objectifs des qualifications, même si ça va être compliqué à mon avis. On va écouter ça. Ah ouais, quand même, deuxième, ça va être très très compliqué, je dois vous l'avouer là, sans vous mentir, avec l'IA en 110, ça va être très compliqué d'aller chercher la deuxième place en qualification, mais écoutez, tout est possible, et devancer Hamilton, pareil, ça va être compliqué de le face-à-face contre le rival Hamilton de le remporter là, vu que j'ai monté les IA 110, mais bon, j'ai pris le risque, maintenant c'est pour le fun, c'est pour la rigolade, on est parti les amis, on est des fous, et puis bah écoutez, profitez bien de ces qualifications, de la course ensuite, et voilà, maintenant c'est pour le fun. Et j'espère que vous êtes toujours là au rendez-vous, malgré que j'ai remporté les deux titres, pardon, je vais y arriver. Désolé, c'est encore brouillon, j'ai du mal, désolé. Mais voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Allez, on est parti déjà avec les qualifications. Bienvenue sur le circuit d'Autodromo Hermanos Rodriguez, où les qualifications devraient bientôt commencer. Avant le début de cette séance de qualification, qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. À l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. À l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Et pour la Q1, je fais quand même le cinquième temps, ce qui n'est pas dégueulasse en super tendre en plus. Donc voilà, je suis à 7 dixièmes de Bottas, qui fait le meilleur temps en ultra tendre, en une 15.8. Deuxième, mon coéquipier Vettel en super tendre en une 16.0. Troisième, Hamilton en super tendre aussi en une 16.4. Et moi, donc le cinquième temps, voilà, en une 16.6. Donc je vous montre le reste du classement avec les éliminés Palmer, Stroll, Wehrlein, Van Dorn et Ericsson. Voilà. Et du coup, on va passer tout de suite à la Q2 où je fais le troisième temps. Et bah écoutez, pour l'instant tout se passe bien, bizarrement. Je m'impressionne, je pensais pas faire des temps assez corrects avec l'IA en 110. Bah écoutez, pour l'instant, on va pas cracher dessus, tout se passe bien. Donc c'est Vettel qui fait le meilleur temps en une 15.4 en ultra tendre, suivi de Hamilton en une 15.7. Et moi, troisième temps, donc en une 15.9. Voilà, je suis à seulement 4 dixièmes de Vettel. Donc écoutez, pour l'instant, c'est assez correct, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez Verstappen, Bottas, Pérez, pardon, Ocon, Ricciardo, Magnussen et Hülkenberg qui sont dans le top 10, qui passeront donc en Q3. Et les éliminés Grosjean, Sainz, Massa, Alonso et Viat. Voilà. Et juste à préciser que c'est bien les qualifications qui sont couvertes. Vous voyez que c'est très nuageux. Donc est-ce qu'on va avoir pour la Q3 de la pluie? Et bien réponse dans quelques secondes. Voilà les amis, je vous retrouve pour la dernière séance qualificative, pardon, la Q3. Et vous avez la réponse, il ne pleuvra pas, voilà, durant cette dernière séance de qualification. C'est très couvert, mais il n'y aura pas eu de pluie. Et donc, enclenchement du DRS dans cette longue ligne droite. Donc c'est ma quatrième tentative là que je fais. Vous voyez que pour l'instant, j'ai le cinquième chrono en une 16.3. Est-ce que je vais réussir à améliorer
Donc la tentative juste d'avant là, j'ai coupé le virage donc j'ai pas pu améliorer. Et c'est mon deuxième train de gomme ultra tendre durant cette Q3. Pour l'instant j'ai le meilleur premier secteur. Je suis en amélioration. Attention ici, un petit peu de temps perdu. Là pareil. Et là, c'est un enchaînement de virages. On peut gagner du temps comme on peut en perdre. Ça va, c'est correct. On est à un dixième d'avance. Mais j'ai pas le meilleur deuxième secteur. Les qualifications se terminent. Vais-je réussir à améliorer? Ah, c'est chaud. Mais quand même, j'améliore de 3 dixièmes. Et je fais la quatrième place. Voilà, donc j'améliore mon temps. Et donc, je vous retrouve pour le tableau des résultats. Waouh, c'était compliqué ce dernier secteur, mais j'ai réussi à améliorer. J'y croyais pas du tout vu l'erreur que j'ai faite. Donc, vous voyez qu'avec la traction en intermédiaire, la voiture patine un petit peu plus, ce qui est normal. Hein. Donc, voilà, ça, la voiture ne reste plus collée au sol. Et donc, je fais le quatrième chrono, le quatrième temps. Et je partirai donc quatrième avec mon 1.15.9. Et je suis à 6 dixièmes quand même. C'est pas dégueulasse hein, avec l'IA 110. Je suis impressionné. Donc, Hamilton qui partira en pole. En 1.15.3, suivi de Vettel, mon coéquipier, 1.15.3, pareil, à 16 millièmes de Hamilton, 3ème Bottas, 1.15.4, et moi donc le 4ème temps, 1.15.9, donc ça aurait été, je pense, compliqué d'aller chercher au moins la 3ème place de Bottas, il est quand même à 5 dixièmes, ce qui n'est pas rien, mais bon voilà, je suis quand même content de cette 4ème place, c'est correct, donc 5ème, Ricardo, 6ème Verstappen, 7ème Ocon, 8ème Perez, 9ème Hülkenberg et 10ème Magnussen. Voilà. Et on se retrouve donc au Motorhome pour voir les objectifs de la course, etc., etc. Donc on va voir ça ensemble. Déjà les points de ressources comme à chaque fois, donc j'en ai 911. Je pense qu'après la course j'en aurai assez pour faire une grosse amélioration, donc on verra ça en R&D. Au niveau du face-à-face, ouais, du coup je perds un petit peu. Bon, il y a encore une. Il a Hamilton avec une seule longueur d'avance, donc pour l'instant ça va. Donc ok de ce côté-là. Approbation de l'équipe, pareil je perds en répute. Ok, bon, rien de bien grave. On va écouter la boîte vocale. Terminé deuxième au mieux. Ça va être compliqué, mais bon, au vu des chronos que j'ai fait en qualification, au vu des essais, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher la deuxième place sur une bonne stratégie, à voir ce qui va se passer en course. Mais bon, tout est possible. Hein. Devancer Hamilton, ça pareil, ça va être compliqué, mais ça peut être faisable, voilà. Et position 5ème au mieux, ben écoute, je tiens juste à te signaler, on est champion, hein. je suis champion, donc voilà, 5ème au mieux, je sais pas si t'es au courant, bref, le mec il prend le melon et tout. Non mais bon voilà. Il faut être informé, mesdames et messieurs. Bref, allez, je vous retrouve sur la grille de départ, les amis. Mettez-vous à l'aise, préparez-vous de quoi boire, de quoi manger, et puis ben savourez tout simplement. Voilà, maintenant c'est pour le fun, c'est pour l'amusement comme j'ai dit. Donc je vous retrouve sur la grille. Je pense qu'il en va de même pour mon camarade ici présent, Nicolas Martin. Content de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi, j'ai hâte que la bataille commence. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une grande course aujourd'hui. Des champions du monde dans des voitures fiables, beaucoup de pilotes en pleine forme et probablement quelques stratèges dans les stands qui feront tout pour faire la différence. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas et une Ferrari, Daniel Ricciardo et Verstappen, Ocon, Perez, Magnussen et Romain Grosjean, Sainz, Massa, Fernando Alonso et Hülkenberg, Kvyat, Palmer, Lance Stroll et Pascal Wehrlein, Van Doorn et pour finir Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Mexico, Mexico, la na na, pardon,
Ça y est, Kérou, il devient fou. Vivement que ça se termine ce mode carrière, genre je commence à devenir fou. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment un plaisir de vous faire ce mode carrière. Voilà, je dis ça comme si c'était déjà terminé, mais voilà, il y a encore trois grands prix à faire et ça sera malheureusement terminé, les amis. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pénalisé sur la grille. Je crois que c'est Hülkenberg qui a reculé de 5 positions. Sinon, devant moi, tout le monde part à sa position et je pars bien quatrième. Stratégie de course. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ces deux arrêts. Et oui, ils me disent de passer les super tendres et ensuite les tendres. Je sais pas. Pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen? Voilà, je vais mettre ça comme ça pour l'instant. On verra si je change d'avis, mais pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter deux fois en mettant deux fois les super tendres. On verra une fois la course lancée, peut-être que je changerai d'avis. Au niveau du carburant, on va le monter parce que là, il n'y en a pas assez du tout, là. Ça ne va pas du tout, ma chérie. Il faut monter ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Et du coup, les amis, je vous laisse avec cette course qui s'annonce rude vu que l'IA, je l'ai montée à 110. Je sais, je n'ai pas arrêté de me répéter durant cette vidéo, mais voilà, ça risque d'être compliqué d'aller chercher le podium, la victoire, tout ça. Apparemment, normalement, il devrait y avoir beaucoup de batailles en piste, je l'espère. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous bien, préparez-vous de quoi boire, de quoi manger. Et on est parti, les amis, je vous retrouve juste après la course. C'est parti! C'est bon, tu peux partir. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie.
Sébastien vient de prendre la ligne des stands. Sébastien est dans les stands. De derrière est de 8,2 secondes. C'est fait, fonce. Notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui.
mon dernier tour. Victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Bon, allez, l'IA 110, easy, franchement. Le mec qui se la pète et tout. Non, franchement, j'ai pas. Franchement, je m'attendais à plus dur avec l'IA 110. Mais écoutez, bah écoutez, je fais la deuxième place, ça passe. Hein. Bon, c'était dur de lutter face à. Enfin, de résister face à Bottas, mais voilà, avec la grande ligne droite et tout. Et plus le mélange riche et tout, ça, j'ai réussi à le contenir. Mais ouais, je m'attendais à ce que ça soit plus dur que ça. Bon, Hamilton, il nous colle quand même 24 secondes, hein, c'est énorme. Donc ça se voit que je suis passé, que je suis monté en grade au niveau du level et tout, avec l'IA et tout. Mais sinon, ça va encore. Donc est-ce que c'est parce que aussi j'ai mis la traction intermédiaire que c'est un petit peu plus simple, on va dire, entre guillemets. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, victoire de Hamilton durant ce Grand Prix du Mexique. Deuxième, donc moi. Troisième, Bottas qui complète le podium. Et Vettel, je sais pas ce qu'il aura foutu. Enfin, je pense que c'est avec la bagarre qu'il y a eu avec Bottas et moi, quand je suis sorti des stands, il a dû péter, je pense, un petit bout d'aileron. Je sais pas, il est repassé par les stands. Ce qui fait qu'il termine sixième, Vettel, voilà. Donc quatrième, Verstappen. Cinquième, Ricciardo. Sixième, Vettel. Septième, Ocon. Huitième, Grosjean. Neuvième, Hülkenberg. Et dixième, Magnussen, voilà, qui complète le top 10 dans les points. Et je vais vous montrer le reste du classement, voilà, avec deux abandons, hein, de Sainz et de Stroll. Pas de safety car ni de virtuel safety car durant ce Grand Prix. Et le seul flashback autorisé que je m'autorise, je l'ai utilisé quand je me suis tapé les 3 secondes de Pena, donc quand j'étais en bagarre avec Bottas et Vettel en ressortant des stands. Et après, voilà, j'ai voulu assurer, pas couper de virage pour terminer cette deuxième place. Voilà, j'ai fait un petit peu bouchon sur Bottas, mais c'était pour la bonne cause, voilà, pour pas me taper de pénalité. Voilà. Et je vais vous montrer les classements, même si tout est bouclé maintenant, mais bon, je vais vous les montrer quand même. Donc je suis en tête, champion du monde avec 379 points, deuxième Vettel 275, suivi de Hamilton 224, ensuite Bottas 155, Perez 152, etc. Voilà, vous avez le classement. Et niveau constructeur, Ferrari 654, champion du monde, Mercedes 379, Red Bull 268,
Force India 255, donc entre ces deux-là, c'est serré entre Red Bull et Force India, ça va se disputer la troisième place. Cinquième, As 79, Williams 6e 74, ensuite Renault 56, Toro Rosso 27, McLaren 18 et Sauber qui ferme la marche avec 8 points. Voilà. Du coup, je vous retrouve au Motorhome pour voir si on. Enfin, je pense qu'on va pouvoir faire une amélioration en R&D, donc on va voir ça maintenant. Juste avant, je tenais à rajouter aussi, alors que vous voyez les points de ressources, donc mi-17, on pourra faire l'amélioration en R&D. Donc juste à rajouter sur la course que vous avez vu, j'ai fait deux arrêts, donc comme je l'avais prévu, hein, deux arrêts en super tendre, même si j'aurais pu faire un arrêt en super tendre et ensuite remettre des ultra tendres comme en début de course. Mais voilà, comme j'étais en bagarre avec Bottas, vu qu'il s'était arrêté juste avant moi, j'ai pas voulu perdre plus de temps. Je me suis dit, vas-y, on va s'arrêter maintenant, mettre des super tentes pour aller jusqu'au bout, même si j'aurais pu continuer un petit peu plus avec les super tentes, à mettre des ultra tentes pour la fin. Mais bon, voilà, j'ai pas voulu perdre plus de temps sur Bottas. Et si je l'avais fait, je pense que j'aurais terminé troisième ou quatrième, peut-être un petit peu plus loin. Voilà, j'ai pas voulu prendre de risque, donc je tenais à le rajouter. Le face-à-face, du coup, on perd encore du terrain. Aïe, là, on perd beaucoup de terrain. Donc, les 14 sur 30 et 14 sur 30 et Hamilton 17 sur 30. Donc, ça commence un petit peu à piquer. Va falloir faire attention. Même si j'ai dit, bon, même si je me dis là, bon, face à Hamilton, ça va être compliqué maintenant que c'est avec l'IA à 110. Mais il reste encore deux grands prix et tout peut arriver encore. Donc voilà. Probation de l'équipe, on augmente un petit peu. Ok. Bon, le score en mode carrière, ça on s'en fout. Ordinateur portable, et on va faire une grosse amélioration en R&D. Donc, il me recommande quoi? Ah, il me recommande au niveau de la chaîne motrice. Donc, refroidissement de l'ERS, consommation de carburant. Ça fait quoi ça? Un meilleur refroidissement du système de récupération d'énergie permet d'obtenir une récupération d'énergie idéale. On augmente ainsi la quantité d'énergie disponible que l'on peut déployer et la consommation de carburant est réduite. Ah, ça peut être pas mal ça, ça peut être pas mal. Bah écoutez, on l'améliore et on aura ça pour le Brésil, le prochain Grand Prix, le prochain épisode. C'est parti, voilà. Et bah écoutez, les amis, on va se laisser là et on se retrouve donc dans 2 jours. Voilà, donc pareil à 17h, hein, parce que à midi il y aura le Grand Prix. C'est quel Grand Prix? Je crois c'est. Est-ce que ça serait pas le Mexique encore? Est-ce que ça serait pas le Mexique dans la High Spirit, le prochain Grand Prix? Je crois, hein, je crois que c'est le Mexique, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, à midi il y aura le Grand Prix de la High Spirit, et à 17h vous aurez le prochain épisode du mode carrière, mercredi. Voilà, soyez au rendez-vous, et demain il y aura le début d'un nouveau Let's Play. Donc j'en avais déjà parlé, ce sera le DLC de Resident Evil 7. Donc, à partir de demain, soyez au rendez-vous si vous kiffez Resident Evil 7. Donc voilà, début du prochain Let's Play demain. Et nous, on se retrouve donc, je vous l'ai dit, dans 2 jours. Portez-vous bien, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à laisser vos commentaires et vos pouces bleus. Et ça fait à chaque fois plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc, je vous dis à très vite, les amis. C'était Kero. Ciao!